Salut Brevan. Bonjour. T'es en retard. Oui, je sais. Patron est arrivé? Non, pas encore, t'as de la chance. Ce qui fait chaud ici, tu peux pas ouvrir les fenêtres, non? Mais à cause des travaux dans la rue, on peut pas. Ça fait un vacarme épouvantable. Ah, ils ont choisi leur jour, ceux-là. Dis donc, Hortin. T'as vu le nouveau tableau de permanence? Oui. Je suis pas d'accord. Et pourquoi? Ben, regarde. Permanence du 1er mai, officier de police adjoint Bréval. Nuit du 15 au 16, officier de police Bréval. Dimanche 24, officier de police Bréval. Trois fois dans le mois, tu te rends compte? Tu te rends compte. Bon, alors, patron, c'est lui qui fait le tableau. Mais il faut te faire une raison. Quand on est un jeune OP stagiaire, on a droit à toutes les corvées. On t'a pas appris ça à l'école de police? Ben non. Eh ben, ils ont eu tort. Tu as le cahier de rapport? Oui, Clavier me l'a donné avant de partir. La nuit a été calme, il a dormi presque tout le temps. Ben, tu vois, c'est pas si terrible que ça, la permanence. Bonjour. Bonjour, patron. Ah, bonjour, patron. Eh ben, mes enfants, vous avez vu le temps, quel soleil, hein? Oui. J'ai traversé le bois de Vincennes pour venir, c'était bien agréable. Ben, pour le moment, oui, mais si ça continue, dans 8 jours, il fera trop chaud. Oh, toi, tu es jamais content. Bon, c'est vous qui avez fait la nuit, Bréval? Non, non, patron, c'est Clavier. Vous voulez le rapport? Oui, allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, voilà, il y avait 3 appels retransmis par police secours, une bagarre dans un bar, un incendie et une tentative de cambriolage. Ouais. Pas d'arrestation, les types avaient filé avant l'arrivée des gardiens. Naturellement. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La voiture de ronde a interpellé 21 personnes pour vérification d'identité. 4 vols de voiture, 3 accidents de voie publique, mais dégâts matériels seulement. Bon, il n'y a personne au trou? Si, c'est une ivresse nocturne et tapage sur la voie publique. Yes. D'un certain Muret, pas de casier, j'ai vérifié. C'est tout? Pour cette nuit, oui. Bon. Mais en arrivant tout à l'heure, j'ai enregistré une plainte. Il y a un type qui avait laissé sa voiture devant sa porte, vers minuit, boulevard de la République. Ce matin, il a trouvé la portière fracturée. Et son porte-document avait disparu. Et qu'est-ce qui contenait ce porte-document? Des papiers d'affaires et de l'argent. 3000 francs en espèces. Mais il est fou, pourquoi l'a-t-il laissé dans sa voiture? D'après ce que j'ai compris, il était, enfin, il avait pas mal bu. Oh, bah, tant pis pour lui, la prochaine fois, il fera attention. On trouvera peut-être les papiers, mais l'argent. Bon, en somme, il n'y a rien eu de spécial. Non, non, patron, une petite nuit bien tranquille. Eh ben, tant mieux. Oh, vous trouvez pas qu'il fait chaud ici? Ouvrez dans la fenêtre, bref. Impossible, patron, on fait les travaux dans la rue. Oh, la barbe, alors. Patron, je voulais vous demander, pour le tour de permanence... Oui. Allô? Qui? À quel sujet? Bon, faites-la venir. Madame Vernoux, ça vous dit quelque chose, ça? Ah non? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas, elle a demandé à me parler. Bon, pendant ce temps-là, Bréval, occupez-vous de l'ivresse nocturne. Passez-lui un savon, puis relâchez-le. Bien. Vous, Hortin, restez là. Oui, patron. On va voir ce qu'elle veut, cette Madame Vernoux. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous, madame. Merci. Vous avez demandé à me voir? Oui, oui, monsieur le commissaire, c'est à propos de mon mari. Il a disparu. Il a disparu? Depuis quand? Hier soir. Il aurait dû être à la maison vers 8h pour dîner. Puis, en ne le voyant pas arriver, j'ai d'abord cru qu'il était en retard, et puis j'ai attendu. Toute la soirée, puis toute la nuit. Et il n'est pas rentré. Ce matin, il n'était toujours pas là. Excusez-moi, madame, mais votre mari est majeur, je suppose. Alors, il faut vous adresser au service des recherches dans l'intérêt des familles, qu'est-ce que j'ai? Oui, je sais, monsieur le commissaire. Je suis très inquiète. J'ai passé la soirée à appeler tous nos amis pour leur demander s'ils savaient où était mon mari. Personne ne l'avait vu. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Quelle est sa profession? Il est représentant. Oui, il visite les cafés et les marchands de vin pour une maison d'apéritif. Oh, bah, il a pu être obligé de s'absenter rapidement sans avoir le temps de vous prévenir. Un client à voir en province, par exemple. Ah non, 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 certainement pas. Non, son secteur couvre seulement cette partie de la banlieue. Il n'a pas de client en province. Et il a de l'argent sur lui? Eh bien oui, c'est justement, c'est pour ça que je suis inquiète. Sa maison lui a envoyé une liste de factures en retard. Il devait les encaisser hier. Mmh. Alors ça doit représenter, je sais pas, des centaines de milliers de francs. Mmh. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Je vous en supplie, monsieur le commissaire. Faites quelque chose. Je vais voir si c'est possible, mais je ne vous promets rien. Comment s'appelle votre mari? Paul Vernoux. Paul Vernoux, on l'adresse? 8 rue du colonel Poitou. Le Poitou, quel âge a-t-il? 45 ans. Bon, donnez-moi un peu son signalement. Oui, voilà, il n'est pas très grand. Oui. Brun, assez fort. Mmh. Il porte un costume marron avec une cravate rayée. Il a une voiture? Oui, un break. Quel est le numéro d'immatriculation? Oh, attendez, je crois que c'est 632 QF75. Oui, c'est ça. 632 QF75. Oui.
Tenez, je vous ai apporté cette liste, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que c'est que cette liste? C'est les clients qu'il devait voir hier soir. Il prépare toujours ses tournées le matin avant de partir. Bon, Hourtin. Oui. Donnez-la à Bréval, la liste. Dites-lui de téléphoner à tous ces gens-là, puis de leur demander s'ils ont vu M. Vernou hier. Oui. Dites qui commence par la fin, hein? Comme ça, nous saurons s'il a interrompu sa tournée et à quel moment. Entendu, patron. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, monsieur le commissaire. Vous n'avez pas à me remercier, madame, c'est tout naturel. Puis d'ailleurs, vous savez, je suis sûr que vous inquiétez inutilement. Oh, vous croyez, mon Dieu, si ça pouvait être vrai. Mais tout cet argent qu'il avait sur lui, c'est... Oh, j'ai très peur. Bon, écoutez, vous me tiendrez au courant. Mais oui, madame, comptez sur moi. Si j'apprends quelque chose, je vous téléphonerai aussitôt. Bon. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir. Merci. Merci encore. Vous en prie. Passez-moi le poste de garde. Oui, j'attends. Oui. Elle est partie? Oui, à l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, patron? Bah, on peut faire quelques vérifications à tout hasard, mais je pense que cette brave dame se fait beaucoup de billes pour rien. Son mari a 45 ans, on est au printemps. Une fille? Bah. Hein? Oui, c'est bien mon ami. Allô? Oui, bonjour brigadier. Dites-moi, je voudrais que vous vérifiez dans les rapports de ronde si des gardiens n'ont pas remarqué un break immatriculé. Attendez, je vous donne le numéro. 632-QF-75. C'est ça, oui? Oui, je reste en ligne. Non, c'est probablement une fugue. Le disparu reviendra avant qu'il ne soit passé beaucoup d'eau sous les ponts. Sa femme va le voir revenir tout penaud dans 2 ou 3 jours. Il implorera son pardon en disant qu'il sait pas ce qu'il lui a pris. Allô? Oui? Oui? Où ça? Bon, merci brigadier. Eh ben voilà, la fugue de M. Vernou lui coûtera au moins 10 francs. Les gardiens ont repéré sa voiture cette nuit. Elle est arrêtée rue des Tilleuls, lanterne allumée juste sous un panneau de stationnement interdit. Ils lui ont collé une contravention. Et rue des Tilleuls, c'est en bordure du bois de Vincennes, non? C'est en bordure du bois de Vincennes, oui, en effet. Hein? Et à moins d'un kilomètre de chez lui. Alors il ne doit pas être très loin. Quand sa femme saura ça. Oui? Et voilà, j'ai les renseignements, patron. Ah, bon. L'avant-dernier client de sa liste l'a vu vers 8 heures. C'est le Café Loison. Café Loison, c'est celui qui est au bord de la Marne, ça près de la Nationale. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, il aurait dû aller au Café des Chasseurs, à côté du pont, à 400 ou 500 mètres de chez Loison. Mais on ne l'y a pas vu. Tiens. Alors, sa voiture est à mi-chemin entre le Café Loison et son domicile. Pourquoi l'a-t-il amené là s'il devait encore aller au Café des Chasseurs? C'est bizarre, ça. Oh, pas tellement. Ouais. Il faisait beau hier. Vernou a peut-être eu envie de marcher un peu, de finir sa tournée à pied. D'après sa liste, avant d'aller chez Loison, il était au Modern Bar, de l'autre côté de la Nationale. Le Modern Bar, Loison, le Café des Chasseurs, ça, c'est dans le même coin tout ça. Et la rue des Tilleuls n'est pas loin. Et alors? Tu comprends pas? Non. Ben, il a dû laisser sa voiture là, avant d'aller voir ses 3 derniers clients. Et il l'aurait reprise en rentrant chez lui. Oui, c'est plausible, mais alors où est-il? Hein? Pourquoi n'est-il pas allé au Café des Chasseurs? Il était peut-être trop tard. Ben, les bistrots sont ouverts jusqu'à 11h. Attendez donc. Loison et le Café des Chasseurs sont au bord de la Marne tous les deux. Oui. Quand on est à pied, on peut passer par le petit chemin là qui est au bord de l'eau. Vous connaissez le coin, oui? Un peu, oui. Le sentier n'est pas éclairé, il y a des fondrières et le parapet qui borde la Marne est démoli en plusieurs endroits. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ah, oui. Il a pu faire un faux pas et puis glisser quand même. Et je commence à me demander si Mme Vernou n'a pas raison de s'inquiéter, moi. Allô? La brigade fluviale, ici commissaire Legrand, 13e brigade territoriale. Ah, c'est toi? Comment tu vas, toi? Non, merci. Dis donc, vieux, j'ai besoin de toi. Oui, t'as une équipe disponible? C'est pour faire draguer la Marne. Oh, sur 400 ou 500 mètres, à peu près. Avec des hommes grenouilles, ça sera vite fait, non? Quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, monsieur le commissaire. Bonjour, Loison. Émile! Qui c'est? Le commissaire, même minute. Elle est en train de préparer le déjeuner. Mais vous prendrez bien quelque chose, monsieur le commissaire. Ces premières chaleurs, ça donne soif. Plutôt, oui. Une bière, comme d'habitude? Oui, avec plaisir, Loison, je vous remercie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de clients aujourd'hui, ici? Bah, c'est notre jour de fermeture.
J'ai laissé la porte ouverte pour faire entrer le soleil. Merci. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame Loison. Qu'est-ce que c'est que tout ce temps du ménage dehors? Il y a des agents partout. Oui, nous recherchons un type qui a disparu. Vous connaissez d'ailleurs Paul Vernoux. Vernoux? Le représentant? Oui, c'est ça. Il a disparu? Vernoux? Ah ben ça, alors tu te rends compte? Ah ben dis donc, je reviens pas. Et c'est pour ça les hommes grenouilles, hein, il s'est noyé? Bah, je sais pas, mais c'est possible. On doit venir me prévenir si on trouve quelque chose. Eh ben, quand je pense qu'il était encore ici hier soir, il était venu pour encaisser une facture. Oui, ben justement, à quelle heure est-il parti d'ici? Attendez voir, il est arrivé à 8h, il a dû rester 3/4 d'heure à peu près. 3/4 d'heure pour encaisser une facture, c'est beaucoup, non? C'est son métier qui veut ça. Il dit que c'est bon pour le commerce quand il bavarde avec les clients. Ouais. Remarquez, il y a des représentants qui sont pas comme ça. Hein. Ils arrivent, ils inscrivent la commande et ils repartent. Hop, en 3 minutes, c'est liquidé. Ben, lui, c'est pas son genre. Il paye facilement des tournes et il tutoie tout le monde. Il a plaisanterie facile. Un bon garçon, quoi. Un bon garçon, si on veut. Je sais que c'est pas bien d'en dire du mal s'il est arrivé quelque chose, mais ce bonhomme, moi, il me paye pas. Oh, tu dis ça. Tu le connais pas, au fond. En tout cas, j'aime pas sa façon de regarder les femmes, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça. Il est toujours à la recherche d'une aventure. Ben, il est marié, pourtant. Si vous croyez que ça l'arrête. Non, je vais vous dire, monsieur le commissaire. Oui. C'est pas dans la Marne que vous le trouverez. Mais avec une fille, en train de dépenser tout ce qu'il avait sur lui. Ben, ne dis pas de bêtises. C'est pas à lui, cet argent. Et il a expliqué à tout le monde que c'était les factures qu'il avait encaissées pour sa maison. On sait jamais avec lui, il est capable de tout. T'as bien vu hier avec Mireille? Ils sont partis ensemble. Mireille, qui c'est ça? Mireille Grisol, une voisine. Elle habite tout à côté. Elle était venue me demander si je pouvais lui céder quelques œufs pour son dîner. Vernoux lui a dit bonjour, ils ont bavardé un peu et il est parti juste derrière elle. Et ils se connaissaient déjà? Ah, et comment? Vernoux tournait autour d'elle depuis longtemps. L'hiver dernier, le mari de Mireille est parti 3 jours en province pour le mariage de sa sœur. Vernoux a profité de l'occasion. Mais c'est des racontards, tout ça. Les racontards, faut en prendre et en laisser. C'est peut-être pas vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu, moi. Ils se promenaient au bord de la Marne, bras dessus. Ils ont fait semblant de pas me voir. Je les ai bien reconnus. Oui, ben en tout cas, maintenant, c'est fini. Grisol est là et il la surveille, sa Mireille. Et il est jaloux? Comme un tigre. Patron! Oui? Patron, vous pouvez venir? Ouais, ça y est? Oui. Bon, j'y vais. Bon, merci pour la bière. Hein. Pas de quoi, monsieur le commissaire. À votre disposition. Bon, à bientôt, au revoir. On l'a retrouvé à 200 mètres en aval, le courant l'avait plaqué contre la berge. Et vous êtes sûr que c'est lui? Et il porte un bracelet en argent, son nom est gravé dessus. Eh ben alors sa femme avait raison, il s'est noyé. Ah non. Non, ben non. Attends, non. On l'a noyé. On l'a noyé, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, vous comprendrez quand vous le verrez. Bon, les types de la fluviale sont partis? Ils se changent dans la camionnette, Bréval est avec eux. Ah, Bréval, j'ai l'impression qu'il avait besoin d'un remontant. Pourquoi? Parce qu'il avait un noyé? Ah, c'est pas un noyé ordinaire, vous savez, vous allez vous en rendre compte. C'est pas beau, je vous préviens. Ouais. Tenez. Regardez. Ah, ben, fichtre. Il a le crâne défoncé. Ouais. On a dû cogner avec une pierre. Il y en a des quantités par ici. Oui, il n'y avait même pas besoin de frapper très fort, un bon coup sec. Vous l'avez fouillé? Oui, le portefeuille avait disparu, naturellement. Ah, tiens, voilà, Bréval qui revient. Alors, Bréval, ça va mieux? Bah oui. Excusez-moi, patron. Ah, mon vieux, faudra vous habituer à ce genre de spectacle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? On alerte la criminelle? Non. Non? Non. On va essayer de régler cette affaire-là nous-mêmes. Qui est libre en ce moment? Bréval, moi. Et Condrieux? Condrieux, il s'occupe du cambriolage Martin. Quoi, le cambriolage Martin, c'est pas fini, ça, encore? Ouais. Oh, bah, y a qu'à laisser tomber le dossier pendant quelques jours. Pour le moment, je veux qu'il se renseigne sur Vernoux, le plus de détails possible. D'accord. Vous, Bréval, occupez-vous des formalités avec la fluviale et alertez l'identité. Bien. Ensuite, faites transporter le corps à l'Institut médico-légal. Et quand ça sera fait, demandez à Loison l'adresse d'une certaine Mireille Grisol, dont il m'a parlé tout à l'heure. Amenez-la au commissariat avec son mari, je voudrais les interroger tous les deux. Et puis en même temps, demandez donc à Loison de venir cet après-midi pour qu'on enregistre sa déposition. Bien, patron. Voilà. Et moi, patron, qu'est-ce que je fais? Qui, vous, Hourtin? Oui. Vous cherchez l'argent, mon vieux. Il y avait plusieurs centaines de milliers de francs dans son portefeuille, une somme pareille, ça passe pas inaperçu. Ouais. Alors débrouillez-vous, interrogez tout le monde, les bistrots, les hôtels, les bureaux du PMU, les caissiers de l'hippodrome. Essayez de savoir si quelqu'un n'a pas fait de dépenses inconsidérées depuis ce matin. Ouais, ça va pas être facile. C'est l'aiguille dans la meule de foin. Ah oui, mon vieux, je sais, mais c'est une chance à courir. Ouais. Hein? Encore faut-il que le meurtrier habite dans le coin.
qu'il habite dans le coin et qu'il y soit resté. Alors arrangez-vous pour savoir si aucun truand n'a quitté brusquement la région cette nuit. Bon. Moi, je vais me charger de prévenir Mme Vernou. Puis ensuite, j'irai voir le procureur pour le mettre au courant. On sera au bureau vers 4 heures à peu près. Courtin. Ah, il n'est pas encore rentré, patron. Bon, bah prévenez-moi aussitôt qu'il sera là. Bien. Vous m'avez ramené les grisoles, vous? Oui, oui, ils attendent dans le couloir. Ils sont pas contents. Hein. Bon, bah ça m'est égal. Faites-les venir. Mais tout de suite, patron. Rentrez. Ouais. C'était bien la peine de nous réveiller pour nous laisser ensuite poireauter pendant 3 heures sur un banc. Quoi, vous réveillez, vous dormiez encore à midi, vous? Oui, alors, c'est normal, quand on travaille la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Je porte Roal. Et vous? Caissière. Roal aussi? Oui, au carreau du midi. Oui, on rentre chez nous à 10 heures du matin. Hein? Alors, si vous croyez que c'est agréable d'être réveillé 2 heures plus tard bon, par bah, un écoutez, poulet... ça suffit, hein? Donnez-moi une pièce d'identité, tous les deux. Dépêchez-vous un peu. Voilà. Bon, vous n'êtes pas marié? Quoi? C'est obligatoire d'être marié? Alors, on va enfin savoir pourquoi on nous a fait venir, oui? Vous connaissez un certain Paul Vernou? Non. Et vous? Non, j'ai jamais entendu parler de lui. Alors, c'est pour nous demander ça que vous nous avez fait attendre si longtemps? Oui. Je te jure. Parce que Vernou est mort. Quoi? Je croyais que vous ne le connaissiez pas. Non, je ne le connaissais pas. Vous en êtes bien sûr? Puisque je vous l'ai dit. Bah, vous l'avez dit, mais vous avez menti. Vous avez vu Vernou hier soir chez Loison. Vous lui avez dit bonjour. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Vous avez même bavardé avec lui. Alors quoi. C'était ça? Je commence à comprendre pourquoi t'as eu besoin d'aller chercher des œufs tout d'un coup, toi. T'es allé retrouver ce type? Non, Pierre, c'est pas vrai. Tu parles. Je commence à connaître Mireille depuis le temps, hein. Tu y avais donné rendez-vous. Mais je t'assure que je l'ai rencontré par hasard. Mon œil. C'est pour ça. C'est pour ça que t'as mis si longtemps à remonter. Je me demandais ce que tu faisais. T'étais avec lui, hein. Attends un peu, tu vas voir, espèce de sale. Alors, oh, dites-moi, mais dites-moi, mais ça suffit, Grisole. Calmez-vous un peu, hein. C'est comme ça. Tu perds rien pour attendre. Tu verras tout à l'heure à la maison. Alors, Grisole, je vous ai dit de vous calmer. Asseyez-vous maintenant. T'es allé chercher des œufs chez la mère Loison. Tu vois comme un imbécile, je t'ai cru. Taisez-vous! Vous avez dû bien rigoler tous les deux. Bon, Bréval, faites-le descendre. Ah non, non, non. Ça vous calmera. Allez, emmenez-le. Non, non, je vous dis pas question. Vous pouvez pas m'arrêter. Je connais mes droits. Un gardien, descendez-le au trou. Quoi? Alors, foutez-moi la paix, moi. Hey, Mireille. Tu peux te fier de toi, regarde ce que t'as fait. On m'arrête à cause de toi. C'est pire, c'est pas ma faute. Allez, Grisole, ça suffit comme ça. Mais... Oui, mais allez, attends, pardon, hein, ça se passera pas comme ça. Puis ma petite, t'as pas fini d'en entendre parler. Bon, allez, allez, embarquez là. Oh là là. Alors, mademoiselle, si vous nous disiez la vérité maintenant, hein? Vous connaissiez Vernou? Oui, monsieur le commissaire. Ah, hein, enfin. Quand avez-vous fait sa connaissance? L'année dernière. Chez Loison? Oui. Un jour où j'attendais Pierre. Vernou était là, il m'a souri, il s'est approché de moi, on a parlé un peu. Puis Pierre est arrivé, nous sommes rentrés à la maison. Et ensuite, quand l'avez-vous revu? Jamais. Pourquoi jamais? Vous n'avez pas revu Vernou? Non, monsieur le commissaire. Écoutez, mon petit, vous avez promis de dire la vérité, je hein? Je jure que c'est vrai. Alors, on vous a vu avec Vernou l'hiver dernier. Tiens, au moment où Grisole était partie 3 jours pour le mariage de sa sœur. Alors, ne n'ayez pas l'évidence. Vous étiez la maîtresse de Vernou. Je vous en supplie, monsieur le commissaire, si jamais mon mari l'apprenait, oh, je sais pas ce qu'il me ferait. Il n'était pas au courant de cette aventure? Non. Vous lui direz rien, hein. Il serait capable de me tuer. Mais oui, évidemment, il pourrait vous tuer comme il a tué votre amant. Ah, ça, c'est pas lui, ça, je vous jure que c'est pas lui. Mais vous savez, ma petite, mais au serment... Non, ça suffit, Bréval. Vernou vous a parlé hier soir chez Loison. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, vous savez, dans ces cas-là, les hommes disent toujours la même chose, hein. Il m'a fait des compliments, quoi. Et ensuite, il est sorti du café avec vous. Non, je suis partie seule. Écoutez, jouez pas sur les mots, mademoiselle. Vous êtes partie seule, mais Vernou est sorti tout de suite après vous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a raccompagné, quoi? Non. Il vous a parlé, alors? Mais répondez, enfin! Ah oui, il m'a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il voulait me donner une bouteille d'apéritif. Vous vous fichez de moi, vous? Hein? Non, monsieur le commissaire, c'est ce qu'il m'a dit. Une bouteille d'apéritif pour séduire une femme, il fallait y penser. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette bouteille? Il me l'a pas donnée. Pourquoi? Je suis partie en courant pendant qu'il traversait la rue. Il a pas essayé de vous rattraper? Non. Alors il sort du café, il vous parle, il veut vous offrir une bouteille d'apéritif, là-dessus vous filez en courant, il n'essaye même pas de vous rattraper. Vous trouvez pas ça curieux, non? C'est peut-être parce qu'on l'attendait. On l'attendait? Qui? Je sais pas.
Quelqu'un à côté de sa voiture. Mais qu'est-ce que vous racontez? Sa voiture n'était pas là. Ah ben, c'était peut-être pas la sienne, alors. Ben, voyons. Vous êtes sûr qu'il y avait une voiture, oui? Oh, je crois, oui. Hmm. Il faisait noir, il n'y a pas de bec de gaz. J'ai pas bien vu, vous comprenez? Hmm. Je faisais pas attention, moi. Vous ne faisiez pas attention? Vous n'êtes même pas sûr qu'il y ait eu une voiture. Il faisait nuit, et pourtant vous dites que quelqu'un l'attendait. Oui, monsieur le commissaire. Mais comment le savez-vous? Je l'ai entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. Ben, il a dit... Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, vous étiez parti en courant. Le temps que Vernou traverse la rue, vous deviez déjà être loin. Comment se fait-il que vous ayez entendu ce qu'il disait? Il parlait fort et il n'y avait pas d'autre bruit dans la rue. Ouais. Décidément, vous avez réponse à tout. Mais non, je vous jure que... Oh, taisez-vous, vous n'arrêtez pas de mentir. Vous inventez n'importe quoi, n'importe quelle histoire au fur et à mesure que je vous pose des questions. Bon, écoutez bien, mademoiselle, hein. Je vais vous laisser une dernière chance. Je vous donne une heure pour réfléchir. Vous entendez bien? Une heure, pas une minute de plus. Mais après, si vous ne dites pas la vérité, je vous promets, je vous ferai inculper, moi. Et si c'est pas de meurtre, ça sera au moins d'outrage à magistrat. Mais... Non, ça suffit. Bréval, emmenez-la. Allez, venez par ici. Bréval. Oui? Pas dans la même cellule que le mari, hein? Mais naturellement, patron. Bon. Chaleur, et puis cette fenêtre qu'on peut même pas ouvrir. Allô? Hortin est arrivé? Pas encore, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Bon, bah, dites-lui de venir me voir aussitôt qu'il sera là, hein? Merci. Et voilà, patron. C'est fait. Bon. Une jolie petite cellule pour elle toute seule. Dites donc, heureusement qu'on n'a pas souvent des témoins comme elle, hein, pour trouver la vérité dans toutes ces salades. Oh, elle ment comme elle respire. De toute manière, son histoire tient pas debout. Non, ça, elle est pas très vraisemblable, je le reconnais. Vous êtes allé chez eux, vous, Bréval? Oui, oui, le poulet qui les a réveillés à midi, c'est moi. Et ils habitent loin de chez Loison? Ah non, à 300 ou 400 mètres. Leur fenêtre donne sur la rue? Oui. Dites, patron, vous me donnez une idée? Oui, allez-y, mon vieux, je vous écoute. Voilà. En sortant du café, Vernou a accompagné la petite. Oui. Grisole, qui l'a guetté par la fenêtre, les a vus marcher côte à côte. Fou de rage, il a descendu l'escalier et il s'est précipité sur Vernou. C'est un jaloux, il est violent, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais Vernou ne s'est pas laissé faire, il a essayé de se défendre. Alors Grisole a ramassé une pierre et il a cogné. Oui, votre idée est excellente, mon vieux. Ah, vous trouvez, patron? Oui. Pour tout vous dire, j'y ai pensé, moi aussi. Ah bon? Oui, les choses ont fort bien pu se passer comme vous l'imaginez. Grisole tue Vernou dans un moment de colère, puis jette le corps dans la Marne. Mais on ne sait jamais, la police risque de découvrir le cadavre et de remonter jusqu'à lui. Or, il y a un témoin, et un témoin dangereux, c'est Mireille. Mmh. Alors il commence par lui faire peur, ce qui ne doit pas être très difficile. Il menace de la tuer si elle le dénonce, et puis il lui fait la leçon. Il lui donne les grandes lignes de l'histoire qu'elle devra raconter si elle est interrogée. Elle connaissait pratiquement pas Vernou, elle est partie en courant, etc. Enfin, vous me suivez, quoi. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Oui, quoi? C'est la colère de Grisole tout à l'heure, quand vous avez dit que Mireille avait rencontré Vernou. Oh, bon, ça c'est de la mise en scène, moi. En affirmant ne même pas connaître l'existence de Vernou, il n'en donnait que plus de poids aux prétendues révélations et aux demi-aveux de Mireille. Mais c'est bien compliqué, ça. Ben, mon petit Bréval, c'est votre première affaire criminelle. Ouais. Quand vous aurez comme moi 20 ans de métier, vous saurez que les criminels sont astucieux. Très astucieux même, et très retors. Vous savez, il ne faut jamais les sous-estimer. Ben, vous croyez que c'était une comédie? Mmh. Oh, ben là, elle m'a bien eu, je m'y suis laissé prendre. Oh, je vous en supplie, monsieur le commissaire, si mon mari l'apprenait, vous ne lui direz rien, n'est-ce pas? Ouais, oui, mais à ce moment-là, elle était sincère, elle avait peur. Mais pourquoi? Tant que Grisole était avec elle, ça allait, elle pouvait s'appuyer sur lui. Oui. Mais lorsqu'elle s'est trouvée seule en face de nous, elle s'est affolée. Vous avez vu, je lui ai posé des questions auxquelles elle ne s'attendait pas. Elle a perdu pied. Elle a commencé par avouer qu'elle avait été la maîtresse de Vernou. Mmh. Puis elle a inventé n'importe quoi pour essayer d'innocenter son ami. La voiture qui était de l'autre côté de la rue, le mystérieux inconnu qui attendait Vernou. Ah, ouais, je vois. Alors vous allez faire inculper Grisole? Ben non, pas encore. Il est suspect, mais nous n'avons aucune preuve de sa culpabilité. Il n'y a qu'un moyen de le coincer. Lequel? Mireille. Non, je comprends pas. Pour le moment, elle est toute seule, enfermée dans une cellule. Quand on n'en a pas l'habitude, c'est pas un endroit très agréable, une cellule de commissariat de police. C'est presque la prison. Alors, elle tiendra pas le coup très longtemps. Quand on la reprendra en main, elle sera terrorisée.
Et vous croyez qu'elle parlera? Oui, oh, ça sera qu'une question de temps. On y passera la nuit, la journée de demain s'il le faut, mais... Si Grisel est coupable, elle finira par avouer. Ah. Oui, entrez. Vous êtes occupé, papa? Non, non, Condrieu, entrez, mon vieux. Bon, Bréval, allez donc vous occuper des formalités de garde à vue pour les Grisels. J'y vais tout de suite, patron. Bon, alors, Condrieu, vous avez des renseignements sur la victime? Eh ben oui, mais j'ai rien trouvé de très intéressant. Ah. Mariée depuis 10 ans, pas d'enfant, bonne réputation dans son quartier. Les voisins le connaissent assez peu, bonjour, bonsoir, c'est tout. Un type bien élevé qui se faisait pas remarquer. Oui, sauf par son assassin. Bon, chez nous, ce type-là, il n'y a pas d'antécédent? Pas de casier, non, non. C'est tout juste s'il avait 2 ou 3 contraventions par an. Enfin, un père tranquille, quoi. Oui, ça m'en a tout l'air. Un homme parfait. Un détail près. Ah? Au Garni, on le connaissait bien. Ah, quand même. Et qu'est-ce qu'il lui reproche? Oh, rien, rien. Ils ont souvent relevé son nom sur les fiches d'hôtels louches, c'est tout. Il avait des maîtresses dans tous les coins, mais c'était des petites aventures sans lendemain. Et sa femme, elle était au courant? Oui. L'année dernière, elle en a eu assez. Elle a voulu divorcer. Mais Vernoux devait tenir à elle. Il a juré de redevenir un bon époux. Et elle a décidé d'arrêter la procédure. Alors Vernoux s'est assagi pendant quelque temps. Mais ça n'a pas duré. Au bout de 3 mois, il a recommencé à courir le cotillon. Remarquez, sa femme s'est consolée. Ah bon? Elle a un amant? Oui, un type qui s'appelle Orival. Ah... Comme ça, la situation était équilibrée. Hein? C'est... Ah oui, oui. Sur le plan professionnel, vous vous êtes renseigné aussi? Oui, j'ai appelé la maison pour laquelle travaillait Vernoux. Il paraît que c'était un excellent représentant, honnête, travailleur, consciencieux. Il gagnait bien sa vie? Oui, il est propriétaire de sa maison. Un joli petit pavillon, pas très loin d'ici. Tiens. Oui, oui, je l'ai vu quand je suis allé prévenir sa femme. Ah, vous lui avez parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a des soupçons? Oh non, enfin aucun. D'après elle, son mari n'avait pas d'ennemis. Marquez que ça correspond au renseignement que vous avez obtenu, ça. Oui. Non, elle pense qu'on l'a tué pour le voler, quoi. Oh. Entrez. Ah, bonjour, Hortin. Je te demandais ce que vous deveniez, vous, mon vieux. Si vous croyez que j'ai perdu mon temps... Bah, non, mais enfin... J'ai interrogé au moins 50 personnes. Et alors, vous avez trouvé quelque chose? Un peu, oui. J'ai passé une cigarette Condrieu, j'ai laissé mon paquet dans la voiture. Tiens. Merci. Oh là là, bon sens qu'il peut faire chaud... Oui. J'arrête pas de boire de la bière. Bon, écoutez, mon vieux, quand vous aurez fini votre petit numéro, hein, vous allez peut-être vous décider à me dire ce que vous avez trouvé. Aymerin. Oh. Aymerin, le casseur? Exactement. Oh. C'est le patron d'un hôtel minable qui m'a donné le tuyau. Aymerin a payé sa note à midi en disant qu'il partait en voyage. Ce matin, il s'était acheté 2 costumes, du linge, des chaussures. Quand je suis entré dans sa chambre, il était en train de faire sa valise. Et il avait plus de 200 000 francs sur lui. Ah, bah c'est intéressant, ça, Aymerin. Vous l'avez amené ici? Évidemment. Et je peux vous assurer qu'il n'a pas la conscience tranquille, il crève de frousse. Eh bien, c'est parfait, on va l'interroger tout de suite, allez le chercher. D'accord. Et si vous n'avez pas besoin de moi, je pourrais prendre la déposition de Loison, il est là depuis un moment. Allez-y, mon vieux, allez-y. Aymerin, assieds-toi. Alors, Aymerin. Vous voilà à nouveau ici. Ah ben, j'ai rien fait de mal, monsieur le commissaire. Hein. Je sais même pas pourquoi Hourtin m'a arrêté. L'inspecteur Hourtin. Ah ben, si vous voulez, l'inspecteur Hourtin. En tout cas, j'ai rien fait, ça. C'est parole d'honneur. Oui, vous vous êtes acheté une conduite. Eh ben, c'est nouveau, parce qu'il y a 3 semaines, vous étiez encore à Fresnes. Eh ben, justement. Passer 6 mois par an en cabane, eh ben, c'est pas une vie. Non, la tôle, j'en ai marre. Alors maintenant, j'arrête. Fini. Je deviens honnête, quoi. Eh ben, bravo, mon vieux, c'est une excellente résolution. Remarquez qu'il était temps que vous l'appreniez, parce qu'avec un casier comme le vôtre... Mais au fait, Aymerin, t'es pas interdit de séjour? Ben, c'est-à-dire... Tu sais ce que ça coûte pour un tricard de se faire ramasser dans la région parisienne? Oh ben, vous allez pas me faire ça. Ah, vous avez bien vu que je faisais mes valises quand vous êtes arrivé. Je partais chez mon frère. Et où il habite, votre frère? Hein? Il a une ferme dans la Mayenne. Il m'a trouvé du travail à côté de chez lui. Je dois prendre le train ce soir. Ah, bon, c'est pour ça que vous avez acheté les vêtements et payé votre note d'hôtel? Oui, monsieur le commissaire. Ben dites-donc, ça fait beaucoup de dépenses. Vous êtes riche, alors? Ah ben, j'ai touché le pécule en sortant de Fresnes. Ah, ben, il paye bien en prison. Les 200 000 francs que j'ai trouvés dans ton portefeuille, c'est aussi le pécule? Hein? Ceux-là, je les ai gagnés. Ah oui? Gagnés. Vous travaillez en ce moment? Non. Le docteur m'a donné 1 mois de repos. T'en as de la chance. Alors, d'où vient-il, cet argent? J'ai joué aux courses, hier. Oui, un bon tuyau. Et voilà. Ah, ben, j'aurais dû m'y attendre.
Un ticket d'hippodrome, ça laisse pas de traces, hein. Bon, eh ben, qu'est-ce que tu veux, laissons ça pour le moment, on en reparlera plus tard. Alors, où étiez-vous hier soir? Chez mon frère. Chez votre frère, le fermier? Ah non, non, l'autre, celui qui habite ici. Ah ben, je connais ton frère. 6 mois de prison ferme pour vol à la roulotte l'année dernière. Ben, si c'est tout ce que tu as trouvé comme alibi. Ah oui, mais alors là, je vous attendais, hein. Il y avait du monde chez mon frère. Oui, j'ai des témoins. Qui? Ben, sa femme, d'abord, et puis des copains. Leur nom? Charles, le frère de sa femme, et Ernest Larazé. On a tapé le carton jusqu'à 6h du matin. 6h du matin? Ben, dis donc, il travaille pas, ton frère? Ah, il est au chômage. Ben, ses copains aussi, bien sûr. Voyons. Et à quelle heure es-tu arrivé? À 10h, pile. Ça, j'en suis sûr, parce que Larazé devait donner un coup de téléphone. Et quand je suis arrivé, il a dit... Et avant 10h, où étiez-vous? Avant? Oui. Eh ben, réponds quand on te pose une question. Ben, je suis allé au bureau de la main-d'œuvre. Oui, pour demander s'ils avaient du travail pour moi. Ah oui, mais le bureau de la main-d'œuvre, il ferme à 6h. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après? Ah ben, j'ai bu un verre avec des copains. Des copains, toujours des copains, c'est pas un alibi, ça. Bon, est-ce que vous êtes allé au café Loison? Ah non, pas chez Loison. T'es sûr? Facile à vérifier, tu sais. Ben, je vois pas pourquoi je m'en dirais. Ben, je vous n'avez qu'à vérifier si ça vous amuse. Et au Modern Bar? Ah oui, là, j'y suis allé. Vers 7h? Ben, à peu près. J'ai pas regardé ma montre. Paul Vernou y était à cette heure-là. Alors, vous l'avez vu? Quoi, le gros, celui qui s'occupe d'apéritif? Oui. Oui, il y était. Mais pourquoi vous me demandez ça? Tu lui as parlé? Ben, c'est lui qui m'a parlé. Quand je suis entré, il m'a appelé, il m'a dit, hey, Brun, viens boire un verre. J'ai pas refusé. Il t'a tutoyé, donc vous vous connaissiez bien. Et vous? Vous me connaissez bien? Et vous me tutoyez aussi? Ah, dis donc, et moi, suffit, hein? Hey, Vernou, il est comme ça avec tout le monde. Il dit tu, et il paye à boire, lui. Bon, alors après, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je me suis baladé. Où? Oh, ça, je me souviens plus. Ben moi, Emrin, je vais vous dire ce que vous avez fait. Au Modern Bar, vous avez vu que Vernou avait beaucoup d'argent sur lui. Alors vous l'avez suivi. Quand il est entré chez Loison, vous êtes resté dehors pour ne pas vous faire remarquer. Vous l'avez attendu et quand il est sorti, vous lui avez sauté dessus. Moi? Ah ben ça, c'est pas vrai. J'ai rien fait comme ça. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lui demander. Mais oui, c'est ça. C'est ça. On va lui poser la question à la morgue. À la morgue? Vernou? Il est mort? Fais pas l'innocent. C'est toi qui l'as tué. Vous êtes fou? Je savais même pas qu'il était mort. Allez, raconte pas d'histoire. Tu l'as tué pour lui voler son portefeuille. Non mais ça va plus. Qu'est-ce que vous essayez de me coller sur le dos? Je l'ai pas suivi et je l'ai pas tué. Bon, alors expliquez-nous d'où vient cet argent. Mais je vous l'ai dit, monsieur le commissaire. Je l'ai gagné. Aux courses? Ouais. À Vincennes. Hier? Ouais. Tu mens. Il y avait pas de course à Vincennes hier. Écoutez-moi, Emrin. J'ai pas de conseils à vous donner. Mais vous feriez mieux de vous mettre à table, hein, mon vieux. Vous êtes dans de sales draps, croyez-moi. À cause du fric? Oui. Bon. Bon, ça va, vous me tenez. Mais si je dis la vérité, on en tiendra compte au procès, hein? Ça, le procès, on verra ça plus tard. Alors, où avez-vous trouvé cet argent? Dans une bagnole. Mais j'ai vu un porte-document à l'intérieur, alors j'ai un peu tripoté la serrure et... Où était-elle, cette voiture? Boulevard de la République. Quelle heure était-il? Bon, une heure et demie. Du matin? Mais je croyais que vous étiez chez votre frère à cette heure-là. Oh, ben j'ai dit ça comme ça. Oui, mais ton frère aurait confirmé que t'étais chez lui, et les copains aussi, naturellement. Ah, il faut bien s'entraider dans la vie. Qu'est-ce qu'il y avait dans le porte-document? De l'argent et des papiers. Et qu'est-ce que t'en as fait, des papiers? Ben, je les ai jetés, avec la serviette. Vous mettrez dans le dossier que j'ai fait des aveux spontanés, hein, à cause du juge. Ouais. Courtin, venez avec moi. Vous y croyez, ou à cette histoire-là? Bah, ça correspond à la plainte enregistrée par Bréval ce matin. Oui, oh, mais ça veut rien dire. Tout ça chez les truands. Il a pu entendre parler du porte-document, puis reprendre le vol à son compte. Mais pourquoi s'accuserait-il s'il est innocent? Avec ses antécédents, ça va lui coûter 10 ans de réclusion criminelle. Oui, mais mon vieux, il y a les réductions de peine et puis la libération anticipée, alors il sortira dans 4 ans. C'est quand même cher pour un vol qu'il n'a pas commis, non? Il fait la part du feu. De toute façon, il n'a pas d'alibi. Il sait que nous ne le laisserons pas tranquille tant que nous ne connaîtrons pas la provenance de l'argent. Alors de deux choses l'une, c'est celui de Vernou ou c'est celui du porte-document. Dans un cas, 4 ans de réclusion, dans l'autre, la guillotine. Alors le jeu en vaut la chandelle, non? Et je pense à quelque chose. Oui, quoi? Vernou a été tué vers 9h moins le quart. Ouais. Le porte-document a été volé après minuit.
Ben, il a pu faire les deux coups. Non. Non, il est pas fou, moi. S'il a tué Vernou, il n'a pas pris le risque de se faire pincer un peu plus tard en train de fracturer une portière de voiture. Non, c'est l'un ou l'autre. Patron, téléphone. Bon, ben, écoutez, demandez qu'on me rappelle plus tard. Moi, j'ai pas le temps pour le moment. C'est le procureur. Ah, zut. Bon, ben, passez-le dans mon bureau. Bon, continuez à l'interroger, Hourtin. Oui. Fouillez les détails, essayez d'arriver à ce qui se contredise. D'accord, patron. Allô, oui. Oui, c'est moi. Merci. Oui, bonsoir, monsieur le procureur. Non, pas encore. Ah, deux suspects, c'est eux. Emrin, un repris de justice, et un mari jaloux, Grisole. Non, non, il n'y a pas de casier, là. Demain matin? Ça va être difficile, ça, parce que... Bon. Oui, à quelle heure? Ben, j'y serai. Entendu. Au revoir, monsieur le procureur. Il manquait plus que ça. Demain matin, il est fou, celui-là. Oui, entrez. Une signature, patron. Bon, donnez. Voilà. Chaleur, ici. Ah, ça, oui, c'est... Printemps. Il fait chaud et les jours rallongent. Il fait chaud et les jours rallongent. Ah. J'avais pas pensé à ça, moi. Vous avez raison, mon vieux, les jours rallongent. Eh ben, notre théorie tient plus. Hein? Et quelle théorie? La voiture. Nous pensions que Vernou l'avait laissé rue des Tilleuls et qu'il était allé faire sa tournée à pied. Ben, c'est faux. Les gardiens qui lui ont collé une contravention ont signalé que les lanternes étaient allumées. Or, Vernou était au Moderne Bar vers 7 heures. Oui. Et à 7 heures, il fait encore jour. Il n'aurait pas allumé ses lanternes. Et alors, patron? Alors? Eh ben, alors c'est l'assassin qui a amené la voiture rue des Tilleuls. Ah, ben, dans ce cas, elle se trouvait bien devant la porte quand Vernou est sorti du café. Alors, Mireille a dit la vérité. Ben, peut-être bien, après tout. Je vais m'en assurer tout de suite de ça. Loison est encore là? Oui, Condrieu enregistre sa déposition. Il a presque fini. Bon. Dites-moi, Loison, je voudrais un renseignement. Oui, monsieur le commissaire. Avez-vous eu l'impression que quelqu'un attendait vers nous pendant qu'il était chez vous hier soir? Où? Dehors? Oui. Oh. Il faisait nuit, j'ai pas pu voir ce qui se passait dans la rue, mais ça m'étonnerait. Bon, en tout cas, s'il y avait quelqu'un, il ne le savait pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si on l'avait attendu, il serait resté moins longtemps. Non, il était pas pressé. Et pourtant, il était en retard. En retard? Oui. Il a essayé de téléphoner à sa femme 3 ou 4 fois pour lui dire de dîner sans l'attendre. Il devait encore passer au café des chasseurs près du pont. Et finalement, il est parti sans avoir pu la prévenir. Pourquoi? La ligne n'était pas libre? Non. Non, non, ça répondait pas. Pas, madame? Oh non, monsieur le commissaire, non. Je vous présente monsieur Orival, un ami de mon mari. Oui, monsieur Orival, j'ai entendu parler de vous. Je regrette, commissaire, de faire votre connaissance dans d'aussi pénibles circonstances. Aussitôt que j'ai appris l'horrible nouvelle, je suis venu présenter mes condoléances à madame Vernou. Oui, Paul était un ami très cher. Oui, je sais. Il vous aimait beaucoup, lui aussi. J'étais en voyage à l'étranger, je ne suis rentré que cet après-midi. C'est pourquoi je ne suis pas venu dès ce matin, sans cela, vous pensez bien. Mais je ne voudrais pas abuser. Le commissaire désire certainement vous parler, je vais prendre congé. Non, non, vous pouvez rester, monsieur Rival. Ce que je dois dire, madame Vernou, vous intéresse également. Puisque vous étiez un ami de son mari. Où en êtes-vous, monsieur le commissaire? Votre enquête avance-t-elle? Oui, madame, elle vient même de faire un grand pas. Ah. J'ai enfin compris pourquoi la voiture de votre mari se trouvait dans cette petite rue. Oh, est-ce tellement important? Oui, l'assassin s'en est servi pour s'enfuir. Hein? Ah. C'est lui qui l'a abandonné, rue des Tilleuls. Vous voulez dire, ce serait quelqu'un qui habite cette rue? Non, non, il l'a laissé là par hasard. Il était au volant, il s'éloignait le plus rapidement possible des bords de la Marne quand il a réalisé l'énormité de la faute qu'il était en train de commettre. Le risque considérable qu'il courait. Ah oui, mais je ne comprends pas. Ah, bah, supposez que quelqu'un l'ait vu dans la voiture de votre mari, qu'on oui. l'ait reconnu. Oui. Il signait sa propre condamnation à mort. Alors il s'est arrêté. Et il a abandonné la voiture n'importe où, juste sous un panneau de stationnement interdit d'ailleurs. Et dans son affolement, il a même oublié d'éteindre les lanternes. Excusez-moi. C'est la réaction, je crois. Tous ces détails, c'est Cette conversation est-elle vraiment nécessaire, commissaire?
Madame Vernou a fait preuve de beaucoup de courage, mais la résistance humaine a des limites, elle a grand besoin de se reposer, et je la connais bien, et je... Depuis combien de temps? Pardon? Je vous demande, monsieur, depuis combien de temps vous êtes l'amant de Madame Vernou? Commissaire, comment osez-vous? Laissez Odile, ça me concerne. Monsieur le commissaire, vous ne mesurez sans doute pas la portée exacte de vos paroles. Vous essayez de salir Madame Vernou. Je vous en prie, monsieur Arrival, cessez cette comédie. La police est au courant de bien des choses. Alors, je répète ma question. Depuis combien de temps êtes-vous son amant? 3 ans. 3 ans? Cela veut dire que vous étiez déjà sa maîtresse quand vous avez voulu divorcer l'année dernière. Êtes-vous marié, monsieur Arrival? Non. Madame Vernou est libre maintenant. Avez-vous l'intention de l'épouser? Eh bien... Raoul. Oui, naturellement, oui, oui, bien sûr. Nous sommes très attachés l'un à l'autre et nous allons nous marier. Oui. Ainsi, madame, ce divorce que vous avez essayé d'obtenir, ce n'était pas pour vous séparer d'un mari qui vous trompait, non, mais pour refaire votre vie avec l'homme que vous aimiez. Oui, oui, monsieur le commissaire, mon pauvre mari était au courant. Il avait accepté que nous divorcions. Ah, là, je regrette de vous contredire, madame, mais c'est inexact. Monsieur Vernou ne voulait pas entendre parler de séparation. Il tenait à ce que vous restiez sa femme. Mais... Si, si. Il est allé jusqu'à mettre un terme à ses aventures extra-conjugales pour que vous ne puissiez réunir les preuves nécessaires à un divorce. Mais la vie privée de Madame Vernou n'a rien à voir avec toute cette affaire, commissaire. Vous n'avez pas le droit. Vous trouviez dans une situation délicate, madame. Moi. Entre un mari qui ne voulait pas divorcer et un amant qui risquait de se lasser. Mais pas du tout. Ah, les hommes n'aiment pas ces situations équivoques lorsqu'elles se prolongent trop longtemps. Alors vous craignez que Monsieur Arrival ne vous échappe. Mais... Vous vous méprenez sur mes sentiments, commissaire. Odile et moi, nous nous aimons. Oui. Savez-vous où est la rue des Tilleuls, Monsieur Arrival? Moi? Non. Pourquoi? Elle se trouve sur le trajet qu'aurait emprunté Monsieur Vernou pour rentrer chez lui en quittant le café Loison. Enfin, Monsieur Vernou... ou sa femme. Mais enfin, Monsieur le commissaire, qu'essayez-vous d'insinuer? Oh, mais je n'insinue rien, monsieur. Je dis que Madame Vernou a tué son mari. Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Vous pouvez pas croire une chose pareille. Puisque votre mari ne voulait pas vous rendre votre liberté, il fallait le faire disparaître. Oh, non. Alors vous avez attendu l'occasion favorable. Non. Cette occasion s'est présentée hier. Vous saviez qu'il avait beaucoup d'argent sur lui et qu'on penserait tout naturellement à un crime crapuleux. Oh non, je vous en supplie, taisez-vous, c'est pas vrai. Madame, où étiez-vous hier soir entre 8 et 9 heures? Ici. J'ai téléphoné toute la soirée pour savoir si quelqu'un avait vu mon mari, je vous l'ai dit. Oui, c'est ce que vous m'avez dit en effet, et je suis persuadé que c'est exact. Mais si j'interroge vos amis, personne ne se souviendra de l'heure exacte de vos premiers appels. C'était une façon adroite de vous ménager un alibi. Mais je n'ai pas besoin d'alibi, je suis restée chez moi. Vous n'êtes pas sortie? Non, je ne suis pas sortie, je ne l'ai pas tuée, laissez-moi tranquille, mais vous me rendez folle. Commissaire. Vous mentez, madame. Vous mentez parce que moi, je sais que vous vous êtes absentée. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis allée acheter des cigarettes. Alors, où se trouve le bureau de tabac le plus proche? Le bureau de tabac, au coin de la rue. Votre mari a essayé de vous appeler 3 ou 4 fois entre 8h et 9h moins le quart. Oui. Le téléphone ne répondait pas. Alors il vous a fallu 3 quarts d'heure pour aller jusqu'au coin de la rue et en revenir. Oui, je me suis promenée. J'avais mal à la tête. Vous êtes promenée. Alors où êtes-vous allée? Je ne me souviens pas. J'ai marché. Au hasard, j'ai... Raoul, aide-moi, je t'en supplie, j'en peux plus. Du calme, ma chérie, du calme. Le commissaire, votre attitude est indigne. Vous voyez que cette malheureuse est épuisée, la mort de son mari, vos questions... Écoutez, monsieur Arrival, je commence à en avoir assez de vos interventions. Hein. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une affaire criminelle dans laquelle vous êtes impliqué au même titre que Madame Vernou. Moi? Oui, vous. La mort de votre rival va vous permettre de vivre au grand jour. Vous pourrez enfin épouser votre maîtresse. Ce meurtre sert admirablement vos intérêts. Commissaire, vos sous-entendus frôlent la diffamation. Je ne suis pour rien dans ce crime, vous le savez. D'ailleurs, je n'étais pas là hier soir, j'étais en voyage. Je peux le prouver. Raoul! Tiens, vous pouvez le prouver. Vous avez pensé à vous ménager un alibi quand même. C'est pas ce que je voulais dire, oui. Peu importe d'ailleurs. Le complice d'un assassinat encourt la même peine que celui qui l'a commis. Complice, moi? Mais vous êtes fou! Pourquoi? Hein? Votre complicité est évidente. Vous saviez que Madame Vernou avait l'intention de tuer son mari. C'est pas vrai. Je n'étais au courant de rien. Raoul, tais-toi. Ça, vous aurez du mal à en convaincre les jurés. Les jurés? Oui, les jurés de la cour d'assises. Complicité de meurtre avec préméditation, article 297 du code pénal.
Comme vous étiez son amant depuis 3 ans, vous ne pourrez même pas bénéficier des circonstances atténuantes. Je vous dis que je ne savais rien, Raoul. Raoul, pour l'amour du ciel, tais-toi. Mais si j'avais été au courant, vous pensez bien que je l'en aurais empêché. Mais je t'en supplie, Raoul, tais-toi. Enfin, commissaire, réfléchissez. Je n'allais pas me rendre complice d'un meurtre à cause d'une simple liaison. Oh mon Dieu. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne penses pas ce que tu dis, Raoul? Je suis désolé, Odile. Mais ce n'est pas de ma faute si tu as bâti un roman autour de notre aventure. Raoul, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as attaché trop d'importance à des paroles en l'air. Non. Mais je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser, monsieur le commissaire. Non, Raoul, non, pas ça. Oh, pas ça. J'aurais préféré que nous parlions de tout cela à un autre moment, ma pauvre Odile. Sans témoin. Mais que veux-tu, les circonstances? Mais tu ne comprends rien! Mais c'est pour nous que j'ai fait tout ça, pour nous! Pour nous, pour toi, mon chéri, pour toi! Oh, c'est pas possible! Pas toi, Raoul! Tu veux pas... Oh, mais c'est pas possible! Je dois rêver, c'est un cauchemar! Non! Madame Vernoux. Oui. Habillez-vous. Il est temps que nous partions. Oui. Et moi, commissaire, je peux m'en aller? Oui, vous pouvez. La police n'a probablement rien à vous reprocher. Mais franchement, je tiens à vous dire que je le regrette.